Salut tout le monde, c'est Sokfuni en 7. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous montrer 3 astuces, 3 tips pour faire vos camps, que ce soit en décoration ou bien sa structure. J'ai cherché sur YouTube après des chaînes sur ce sujet qui parlent de camps, d'astuces, etc. pour construire, etc. ou bien des vidéos random. J'en ai malheureusement trouvé que 2 qui valent le coup, parce que les autres chaînes ou les autres vidéos sur lesquelles je suis tombé, que ce soit des chaînes FR ou bien des chaînes anglophones, ne valent vraiment pas le coup. Elles sont vraiment pas incroyables, les explications sont nulles, le montage n'en a pas du tout et c'est pas très clair. Les seules chaînes qui valent le coup d'être regardées, c'est celles que je vais vous présenter ici, du moins par rapport au camp et à leur construction. Donc c'est TNG 76, 76 ou encore 76 et Lucy Jane Play. Donc c'est deux vidéastes qui font des vidéos camp, recherche de camp, construction de camp, astuces, etc. Et plein de petits bugs comme ça, par exemple mettre des lumières sous l'eau aussi, c'est pas trop mal, hein, c'est chaude décoration. Bref, voilà, vous retrouverez leur chaîne en description. Ce sont les deux seules chaînes qui valent le coup d'être regardées sur ce sujet. Donc commençons par le premier tips, première astuce. Et donc nous voilà pour la première astuce, premier tip de cette vidéo. Là vous voyez une étagère avec un chat en herbe, en espèce de haie là, et la peluche du colosse von Nigg, voilà, qui fait du bruit. Une étagère et une plaque de pression. La plaque de pression, vous la retrouverez évidemment dans l'atelier et dans Connectic, ici, voilà. Si vous n'avez pas le plan, n'hésitez pas à l'acheter, le trouver, ou bien si vous n'avez pas la foi, vous ne savez pas comment faire, demandez à un ami de le poser et ensuite de faire stocker, comme ça vous l'aurez pour vous. Ensuite ici, l'étagère, vous le placerez, le coin de l'étagère, le pilier de l'étagère sur la plaque de pression. Le but est de mettre ces deux items sur l'une des trois planches. On va mettre sur celle-ci d'abord, évidemment. On se met ici, on marche sur la plaque de pression. On active l'atelier et on martèle la touche. Ah, comme ça. Évidemment, on va se déplacer, mais le but, c'est pas de se déplacer. Et ensuite, regardez, ça descend. Ok. Donc là, à mon avis, encore 2-3 fois, et ça devrait être bon. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon, évidemment, le chat, il dépasse, parce que c'est un bug, hein, je vous rappelle. Mais regardez, ça marche. Parce que d'habitude, je vais vous montrer, hein, attendez. Bethesda, s'il vous plaît. Merci. Donc, regardez, hop. Normalement, on peut pas le mettre. Regardez, on peut pas le mettre sur sur les autres étagères, sur les autres planches. On peut mettre que au-dessus. Ici, on a réussi à le mettre sur la première planche. On va essayer de le mettre sur la deuxième, cette fois-ci, ok? Donc, deuxième. Donc, ça descend. Ça descend doucement, mais sûrement. Alors, si ça bouge, n'hésitez pas, hop, à remettre correctement. Hop, on marche sur la plaque de pression. Et voilà. Donc évidemment, toujours bugué, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais regardez le colosse, lui. Mais il est pas trop mal, hein. Ah, il dépasse encore. Bah attendez, on va le faire descendre encore un peu. Ah là, il est bien assis. Ça donne plutôt bien. Après, évidemment, il n'y a pas que cette étagère-là. Il y en a d'autres. Hein. Regardez. Il y a celle-ci aussi. Non, celle-là, c'est la même, évidemment. Il y a cette étagère-là, qui est déjà un peu plus belle que celle-ci. Voilà. Bon, même si elle est petite. Mais bon. Après, il y a certainement d'autres étagères. Hein. Si vous avez d'autres supports, n'hésitez pas. Ça marche aussi. Voilà. Mais, en tout cas, voici donc la première astuce de camp. Donc là, on se retrouve avec la troisième décorée. La deuxième
n'est pas décorée. Et la première est Astuce décorée. numéro 2 de cette vidéo, l'astuce des rambardes. L'astuce des rambardes, on sait faire plein de choses avec les rambardes, mais moi je vais vous montrer ce que je sais faire, même si c'est pas vraiment très incroyable, vous allez le voir. Donc il vous faut une rambarde. Les rambardes, c'est très simple, ça se trouve dans la boutique atomique. Ce sont donc des passerelles d'abri. Je me suis trompé sur le nom, veuillez m'excuser. Donc ce sont les passerelles d'abri. Elles se trouvent dans la boutique atomique, dans l'onglet camp. Pour le prix de je ne sais plus parce que je l'ai acheté. Voilà. Mais ça devrait être dans les alentours de 250 atomes, 500 atomes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très élevé, vous allez voir. Et puis ben c'est pas mal. Par contre, c'est à vous. Vous ne pourrez pas demander à quelqu'un de le poser pour vous. Ça ne marche pas. Et heureusement, parce que sinon à ce moment-là, boutique atomique n'aurait plus aucun sens. Et ceci est un seum. Vous connaissez, je connais, tout le monde connaît. Okay, vous savez, ça se trouve, c'est très facile à faire. Hein. Du coup, vous allez dans mur. Voilà, dans mur. Et vous cherchez après un mur comme ça. Okay, donc on va prendre un autre mur, évidemment, pour que ça fasse plus joli, hein, quand même. Prendre un mur en brique. Voilà. Ce mur-là. Vous pouvez le mettre comme ça. Ok. Donc le mur, il sera comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est de le mettre ici, nous, contre ça. Donc vous pouvez le mettre. Hop, vous le placez. Vous reprenez la rambarde. La passerelle, pardon. Hop. Voilà. Ensuite. Voilà. Et enfin, on enlève la passerelle. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et donc, on peut mettre un papier peint. Regardez, on peut mettre du papier peint. Donc voilà ce que ça donne. On peut donc mettre du papier peint sur ces murs. Voilà. Ça fait quand même plus joli que le sol, hein, n'est-ce pas? Voilà. Après, est-ce qu'on peut le déplacer, votre sol? Eh ben non, parce que regardez. Voilà ce que ça donne après. Ça fait un carré, tout simplement. Après, ça peut être bien pour plein de choses, hein, construction, etc. Parce que regardez, normalement, on peut peut-être mettre encore un mur au-dessus. Oui, on peut encore construire, regardez. Voilà, admettons. Et on peut toujours mettre du papier peint. Voilà. C'est pas trop mal, hein? Ça va pas trop me servir personnellement, parce que je vois pas ce que je pourrais faire avec, mais... Voilà. Pour faire de la déco, j'en sais rien. Peut-être pour ceux qui sont plus doués que moi dans les camps, pourront faire quelque chose avec ça. Mais pour ma part, je vois pas trop d'inspiration. Et puis, bah, c'est toujours mieux que d'avoir le truc en bois. Troisième astuce de cette vidéo, l'étoile. Ou bien le camp circulaire, comme j'aime l'appeler. Ici, c'est plus simple que tout à l'heure. Il vous faut pas d'objets de la boutique, etc., etc. Il vous faut juste des sols. Juste des sols. Voilà. Et donc vous faites une croix comme ceci. Ensuite, vous venez placer délicatement avec beaucoup, beaucoup de patience, évidemment. Moi, je vais le faire à l'arrache, mais n'hésitez pas, vous, à le faire plus propre, plus beau. À vraiment faire de votre mieux, ok? Moi, je le fais vraiment que pour la vidéo, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je vous le fais juste pour vous montrer. Vous, de votre côté, appliquez-vous, prenez votre temps. Une fois cela fait, ça donne ceci. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Évidemment, moi je l'ai fait à l'arrache, regardez, c'est pas très bien fait, mais bon. Ensuite, vous prenez les extrémités que vous allez reculer pour les coller avec les bouts de carré qui sont déjà présents. Voilà, comme ceci, ok? Encore une fois, moi je l'ai fait à l'arrache. Vous, appliquez-vous. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Ça donne ceci, ça donne une étoile. Voilà, ça donne un soleil, si vous voulez, peu importe. Ça fait une forme circulaire, en tout cas. Ensuite, vous prenez des murs, et là, vous prenez évidemment des grands murs et pas les petits que je vous ai montrés. Comme ceci. Ah, alors là, il y a un petit souci. Voilà. Évidemment, je rappelle, je suis dans mon Fallout World. Alors rien n'empêche que ça marche très bien aussi. C'est juste que moi je ne consomme pas de ressources, hein. C'est pour éviter, parce que déjà que j'ai pas le temps pour farmer. Ensuite, vous enlevez
Après, vous pouvez les laisser, hein. Pas de problème. Regardez, j'ai fait à l'arrache, hein. Ça, c'est un peu surélevé. Mais bon, vous voyez comment ça fonctionne, hein. Voilà. Donc ensuite, vous avez votre forme géométrique, votre forme circulaire. Après, vous pouvez encore mettre des murs, hein. Voilà, etc. Ça marche aussi, hein. C'est donc la fin de ces vidéos. N'hésitez pas donc du coup à checker la description pour aller voir les deux chaînes qui valent le coup à propos des camps, de la construction de camps, qui est TNG 76.76 et Lucy Jane Play. Vous retrouverez les liens de leur chaîne en description. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que je puisse avoir vos avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'avez toujours pas fait. Et moi, je vous dis, bye tout le monde. Thank you.